Et bonjour, me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne la carte pour programmer l'ESC, parce qu'on n'a pas de notice de comment ça fonctionne. Et vous allez découvrir avec moi comment sont les menus. Alors, on branche la carte de programmation sur la fiche ici, où il y a marqué ESC. Ensuite, on vient brancher la fiche qui va au récepteur à la place. Donc on débranche cette petite fiche, on vient brancher la fiche de la carte programmation. Radio éteinte ou allumée, ça fonctionne pareil. On branche, on allume notre contrôleur en appuyant sur le petit bouton, et voilà. Donc nous voilà dans les menus, programme card, menu. Là, il nous sort la version du software en premier, et ensuite on a le premier menu, Running Mode, donc Forward, Reverse, Break. On choisit ici les menus, ici ceux qu'on veut valider. Là, il n'y a que Forward, Reverse, donc marche avant, marche arrière. Là, il n'y a que marche avant, frein. Et là, il y a marche avant, marche arrière, frein. Donc on change de menu, Cut-off voltage. Donc ça, c'est le voltage auto ou la coupure de la batterie. Donc on choisit ici, par exemple, 3,2 volts par élément. On valide. Ça enregistre. Et voilà. Et ensuite, vous avez tous les menus. Là, c'est la température. Donc on peut régler, par exemple, à 95. Là où il y a l'étoile, en fait, c'est les réglages par défaut. C'est pas forcément les. Oui, c'est les réglages par défaut. Donc rotation du moteur, etc., etc. Vous avez tous les menus, le bec, le punch, tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a sur la notice, quoi. On comprend pas la moitié des choses, mais bon, on a une traduction comme on peut. Donc voilà pour ceci. Ensuite, quand vous avez fini, vous débranchez la batterie. Et vous débranchez votre petite fiche sur le contrôleur, et vous pouvez rebrancher votre fiche qui va à l'ESC. Bon, mais voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Ouais, il n'y a besoin de rien, pas de chargeur, pas de quoi que ce soit. Il suffit juste de brancher et de mettre une batterie sur la voiture et de brancher la batterie au contrôleur. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis à bientôt. Salut!